Après plusieurs semaines d'hésitation, l'Allemagne a finalement donné son feu vert à l'envoi de chars Léopard à l'Ukraine. L'information, annoncée d'abord par des médias allemands, a été confirmée ce mercredi par la chancellerie. Sous la pression de ses alliés occidentaux et de Kiev, Berlin a accepté une première livraison de 14 chars Léopard 2. Ce feu vert va également permettre à la Pologne et à la Finlande d'envoyer sur le front ukrainien leurs propres chars de fabrication allemande. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis doivent également transférer leurs propres blindés pour aider les soldats de Kiev à repousser l'invasion russe. À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souhaité minimiser l'impact de ce soutien militaire occidental. L'Occident, dit-il, surestime le potentiel que ces chars pourraient donner à l'armée ukrainienne. Ces chars vont brûler comme tous les autres. Près d'un an après le début de l'invasion russe, les chars occidentaux pourraient toutefois jouer un rôle décisif sur le champ de bataille et permettre à l'Ukraine de repousser l'armée de Vladimir Poutine.